moi je suis Frédéric Deneuve, je suis directeur du CREG, donc Centre Régional Auvergne-Rhône-Alpes de l'Information Géographique. Donc on est ni plus ni moins qu'une plateforme régionale et on est là pour produire de la matière première, de la donnée cartographique pour les territoires de la région. On utilise QGIS au quotidien pour produire des cartes, évidemment, pour les territoires de la région, mettre à jour de la donnée, contrôler de la donnée, voilà, tout un tas de choses. En tout cas, c'est un logiciel qui nous sert au quotidien depuis maintenant une quinzaine d'années. Disons qu'il y a une dizaine d'années, on utilisait encore MapInfo, GeoConcept, ArcGIS, et qu'on a abandonné progressivement au profit de QGIS. Après, on a des logiciels métiers plus spécifiques qui répondent à des besoins très très particuliers dont on ne retrouve pas les fonctionnalités dans QGIS. En fait, on se dit qu'en tant qu'utilisateur, c'est finalement un juste retour que d'apporter notre soutien à l'association. Donc, soit un soutien financier, évidemment qui reste symbolique, mais quand même il existe, et puis un soutien logistique au travers des journées, des rencontres francophones des utilisateurs de QGIS. Ah, évidemment. Évidemment, ça fait un zoom sur la région. On a vu qu'il y avait quelques utilisateurs en région qui sont venus participer à la fois en tant que contributeurs à la journée à travers de présentation, et puis aussi en tant qu'auditeur. Donc pour nous, c'est tout bénef, quoi. Moi, c'est plus les échanges que j'ai appréciés. Ah, ouais, c'est intéressant. Ouais, vraiment. Les moments, en plus on laisse vraiment du temps pour les échanges, la pause du midi elle est conséquente, donc ça c'est vraiment très agréable. Pour moi c'était aussi la découverte de nouvelles têtes, parce que j'ai l'habitude d'avoir plutôt des régionaux, et là bon, pour le coup c'était France entière, donc un peu perdu au départ, et puis finalement au bout du deuxième jour, finalement c'est un peu comme si on était en famille, quoi. Ouais, trop cool, merci Frédéric.